Félicitations. Félicitations, félicitations pour avoir sécurisé le corps. Je savais que on pouvait compter sur toi. Nous sommes enfin prêts. La chasse au Poké Poké est maintenant ouverte. Une fois que tu l'auras chassé, les érudits pourront se pencher sur ce que vous avez trouvé dans la forêt. Nous devons impérativement neutraliser ce Poké Poké. Nos recherches sur le Zora Magdaros s'en dépendent. En avant. Bonne chance et sois prudent. Il y a une mission urgente pour la cinquième. Viens vite me voir. Oui, nous allons. Comment tu te sens? Alors, tu réussis à trouver tes marques ici? Oui. Si Signum me sépare, bonne chance, ok. Qui dit le nouveau monde dit de nouvelles règles. Il faut un temps d'adaptation, mais on finit par s'habituer avec le temps. Il le faut pour pouvoir survivre. Regarde autour de toi, tous ces gens ici, aussi hauts en couleur qu'ils puissent paraître. Ils ont franchi l'océan, tout comme toi. Ils ont tous accompli leur devoir. Ils ont regardé le nouveau monde droit dans les yeux et ont compris que nos vieilles règles étaient obsolètes. Mais ils se sont pas découragés pour autant, ils sont déterminés. Les tu aussi, chasseur? Apprends à connaître tes collègues, leur folie détonnera peut-être sur toi. Bon, salut tout le monde, c'est Gaor et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Monster Hunter World, la campagne. Dans le dernier épisode, on avait viré de son nid un... J'allais dire un Poké Poké, non, c'était un Kuluyaku, ouais, Kuluyaku, c'est ça. Ils avaient tellement des noms des fois. Te voilà. Il est temps pour nous de partir à la chasse au Poké Poké. Une fois qu'on aura fini, les érudits pourront venir inspecter ce résidu et déterminer s'ils proviennent bien du Zora Magdaros. Mais entre nous, de quel autre monstre pourrait venir cette roche volcanique et brûlante? Ça doit être une érudite, ça me paraît évident. Oui, bah oui, c'est un peu évident. Et donc aujourd'hui, on va... Bref, mais je mets un mot de passe, je veux le faire tout seul. Hop, on va aujourd'hui le virer de son nid, le porc. Ah, c'est... Enfin non, on va essayer de virer ce Poké Poké là, pour qu'il nous foute la paix un peu. Et qu'on puisse chasser, on va dire, tranquillement, après. Donc, normalement, j'ai déjà mangé, je vais vérifier, oui, hop, lève-toi. Normalement, je devrais essayer de faire, on va dire, un parallèle pour les missions, on va dire, de capture expert de Monster Hunter, mais je ne sais pas encore exactement comment faire, j'en ai pas fait, pas encore. En même temps, je tourne aujourd'hui pour l'instant et... Ouais. Mais je verrai un peu. Bon. J'espère vraiment juste que ça a pas... comment ça s'appelle? Bon, et j'espère que ça va lancer dès que ça pourra. J'espère juste que ça va pas mettre beaucoup trop de temps comme... comment ça s'appelle? J'ai pas envie de mettre autant de temps que sur la campagne principale. En fait, ce que je faisais avant, c'était genre vraiment, je farmais beaucoup, beaucoup. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, j'avais tellement farmé que c'était... Comment dire... Genre j'avais presque fait toutes les pièces d'armure de du mode ouais je vais pas vous spoil toutes les pièces d'armure de la première partie on va dire parce que ça se joue hein, on va dire deux grosses parties le jeu de la première partie et en fait j'ai pas autrement regardé la chasse ouais pas besoin de ça ouais. Je suis très bien tranquille. Poké Poké est un herbivore, ok d'accord. Le plus de chances de croiser si on s'enfonce dans la forêt, c'est son terrain de chasse. Yep. Des antidotes. Hop. Oui, je farmais énormément alors que ça servait à rien en fait. C'était, je m'étais dit ouais, ça sera pour le style et tout, mais en fait, le style, bah. Et s'il me fait gaspiller tellement de bordel. Ah bah tiens, ça c'est des plumes à lui ça. Tuff, tuff, tuff. Des empreintes encore. Après, je connais vraiment où il traîne en général, donc ce sera pas un problème pour moi de le repérer. Ah. Oh là là. Non, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Non, il est en haut. Si sa tête et sa queue enflent, fais gaffe à toi. Ouais, je vais faire attention à ça. Tiens, il est déjà... C'est quoi, c'est une larme? Ah, une plume! Oui, il a déjà. Anajanat, ça l'a déjà un peu tapé, on dirait. Bon, allez. On va trouver ce Poké Poké et on va en faire des sushis de Poké Poké. Ouais, il y a le grand Jagra, mais allez, réunion de famille tant que tu y es, non? Il est juste devant le grand Jagra, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, bah il est parti.
Allez. Donc je n'ai jamais joué. Oh là là. Je n'ai jamais vraiment joué, on va dire, les dagues jumelles, je crois qu'elles s'appellent. Je suis pas sûr du nom, mais je les ai jamais joués, donc je maîtrise pas forcément. Mais bon, je vais tester comme ça. Selon notre perso, je pourrais en profiter un peu, on va dire. Allez, rage du démon, allez, toucher. Ok. Alors déjà ça quand même. Ça on connaît tous. Allez. Allez, c'est bon, c'est qu'un petit cri. Oui, il est déjà en train de perdre les plumes, j'allais dire, mais dommage, j'ai eu une blague. Sinon, ça aurait bien marché avec la blague. Mais... C'est puissant en fait, ce truc. Ah, le grand jagra est revenu. Oh, il n'y a pas que le grand jagra. Ouais. Non, je m'approche pas de ça, moi. Ouais, il vient pour moi en plus. Bon, petite réunion de famille là. Bon, bah, écoutez, on va essayer de pas interférer et pas de se faire croquer. Hein. C'est que ça a pas l'air gagné pour de vrai, quoi. Ah, le Pokéfouté se barre, on va pouvoir le suivre. L'air d'aller là-bas, ouais. Et la fuite! Aïe 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 aïe, c'est bon. Ok, il nous a lâché. Maintenant le Poké Poké. Donc on est seul à seul. Oh merde, c'est vrai ça. Ça consomme l'endurance, je suis pas. Vous voyez ça, je sais pas. Enfin, je fais pas gaffe à ça. Enfin, je fais pas gaffe. Enfin, je fais pas gaffe, c'est juste que je sais pas en fait. Je suis pas habitué à. Alors, un truc qui me consomme. Enfin, qui consomme l'endurance. Allez. Du coup, avec ce set d'armes là, ce serait bien d'avoir quelque chose qui augmente l'ambiance. Ça se barre ? C'est quoi ? Descends ? Non ? Descends ? Descends ? Arrête de bouffer les noix ? Descends ? Alors faut faire gaffe à lui, parce qu'il peut nous empoisonner et ça peut vraiment être dire embêtant. Ouais. Enfin, c'est vrai que ça a l'air de brûler quand même grave. Hein. On regarde quand même les dégâts que ça met. Hein. Je suis sûr que là genre la moitié des coups parce que je sais pas gérer mais. Ah non, enlève ton mode démon hein. Ouais, ok c'est vrai. Ah ouh ça c'est une queue qui est partie ça. Et qui ne reviendra plus. Il fait mal. Dégage déjà. Oh, dans ta tête. Oh, dans ta tête. C'est vrai que c'est plutôt rapide en soi, en fait, moi je pense. Faut que j'ai oublié sur cela. Je n'ai plus. Là, je pense que vous connaissez le système, mais c'est plus une lame, c'est mousse, moins on fait des dégâts, etc. Il boite. Non. Bon bah écoutez, je vais le laisser repartir vers son nid, j'ai plus que ça chez moi en attendant, mais... Déjà ? Putain mais je vais vous faire une suite, hein, Laurent, je vais pas vous laisser là-dessus, parce que là, sérieusement... J'avoue que ce serait déception pour de vrai, quoi.
Ouais, non, je vais pas vous laisser là-dessus. Je pense que je ferai une autre mission derrière, du coup. Toujours le même épisode, bien sûr, parce que sinon ça sert absolument à rien. Ah ouais, mais il y a encore la nage à natte, là. Il peut pas se barrer. Oh, vas-y. Vas-y, barre-toi, c'est parfait. Ah mais non, je crois qu'ils vont vers la même zone, en fait. Quoique. Quoique, là, la nage à natte a l'air d'aller plus bas, après. Vu la flèche qu'il y avait eu sur lui. Parfait. Ça, c'est l'empreinte. Oui. Ah non, il n'y a pas eu de glissade. Bon, bah on court, hein, mais pour l'instant. Ah, il va s'endormir, je vais pouvoir en profiter pour mettre une bonne patate là. C'est parfait. Non, t'endors pas? Si, tu t'endors. Allez, t'endors. T'endors? Non, il s'endort plus. C'est vrai que ça a l'air de mettre des patates quand même. Wouah, j'ai fait un beau combo là. Ça s'est senti une sorte de petite animation en plus, c'était. Ah ah, parfois. Vraiment, je pense que moi, les capsules que je préfère utiliser, c'est les perforantes ou les explosives. Parce que c'est celle qui. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas dit rien de plus. Allez. Je pense qu'il y a moyen qu'on l'achève là, comme ça. C'est bon. Et yeah, on en saura plus sur Zora McDaros. Bon, laisse-moi fouiller tout là. Donc, allez, d'accord, je dépêche de bord. Bon. Mais honnêtement, bonjour toi encore. Je suis vraiment pas déçu en fait de ces lags là. Oui, non, mais ma bombe pas dessus. De toute façon, tu peux plus rien me faire. Vraiment pas déçu du tout en fait. Par contre j'ai eu 4 écailles là. Ça me lag. Un peu juste abusé le nombre d'écailles que j'ai eu. Mais bon. Bon bah voilà. Ah, est-ce que je peux pas en avoir un ou deux? Ah merde. Non, pas la vie de ta guêpe. Non, ça les tue à chaque fois. Hein. Ouais. Trop de dégâts. Tant pis. Allez, du coup, la suite de la mission, je vais pas vous laisser sur ça, parce que bon, ce serait beaucoup trop court. Est-ce que là, faut pas abuser, quoi, c'est une belle image de fin. Ah, donc j'ai eu du poison, des ailes de poulet, 8 minutes, ah ouais, mais le truc, c'est... Je l'ai fait 40 fois plus vite quand j'étais comme ça, enfin, 40 fois plus lentement, quoi, quand j'étais tout seul avant. Bon, peut-être que rien n'arrête la commission. Terminer toutes les étapes. Ah, la mission niveau 2. Ouais, non, c'est étonnant. Je m'y attendais pas vraiment à mettre si peu de temps. Du coup, oui, je vais voir. Donc là, ça doit faire à peu près 10 minutes qu'on a commencé. Bon. Je vais, attendre un peu et. On va voir pour continuer un peu plus longtemps. Parce que là, c'est vrai que 8 minutes, enfin 10 minutes en tout cas, c'est. C'est long, enfin c'est court, très court. Après il faudrait que j'essaie d'autres types d'armes, mais je sais pas si je pourrais le faire dans cette version. Félicitations. Beau travail et merci de t'être chargé de ce Poképoké, je savais que je pouvais compter sur toi. Entre temps, d'autres traces provenant sûrement du Zormekdaros ont été découvertes. Très bien. Afin que nos Aurélie puissent mener leurs investigations, j'aimerais que la 5ème flotte assure leur protection. Je te confie la responsabilité du désert des termites. La quête débutera une fois que tu seras sur place. D'accord. Il est temps d'en apprendre plus sur le Zora Magdaros. Assure-toi de savoir ce que tu as à faire. On a ordre de protéger les érudits. On se retrouve au désert des termites. D'accord, mais on se retrouve d'ici 2 secondes, parce que je vais voir d'abord ce que je peux améliorer ou pas. Maintenant j'y pense. Oui, ton arrivée fait forte impression, petit patata. Ou après, lui, il dit toujours globalement le même truc. Je peux pas l'améliorer, non, bon, tant pis. Yep. Je voulais juste savoir si je peux l'améliorer. Où j'ai lancé la mission qui s'appelle commencer. Seconde escorte. Toujours le même mot de passe, hein, évidemment. Vous le connaissez, je suis sûr.
Et donc, ouais. Ok. On va manger le temps que ça charge et on est parti pour la quête sous bonne escorte. Hein, et on va voir ce que ça donne. Toujours de la puissance. Enfin, de l'attaque, hein, petit. Oh, ces chats, ils sont trop mignons, les palicots. Hein. Waouh! Wow. Ouais, c'est pe... hey, je peux vous dire un truc, c'est que ces plats en comparaison avec ceux qu'on a à la fin, c'est rien. C'est ridicule. Et c'est parti! C'est très le chargement. Mais bon, ça va être une nouvelle zone, ça. Je vais faire une blague, mais nous je vais raconter. Nous attendons depuis une éternité de trouver un tel échantillon. Nous comptons sur toi, chasseur. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis tellement excité à l'idée d'aller voir cet échantillon. Un écofact a été découvert dans le désert des termites. Amène-nous là-bas en un seul morceau. D'accord. Ok, pour l'instant vous poussez, hein, je vous suis à peu près. Bon. Moi, je trouve que c'est pas trop compliqué de pousser la charrette, je sais pas vous, mais... Une chose est sûre, cet environnement n'a absolument rien à voir avec la forêt ancienne. Ah, t'as ça ! Effectivement, le désert des termites est un mélange de marécages et de zones sèches. Cette région abrite donc tout naturellement un écosystème unique en son genre. D'accord. S'infiltre dans le sable et s'écoule vers les zones en contrebas pour former un bourbier. Ce machin pèse une tonne. Allons, allons, chère petite, un peu de nerf. Il a l'air de bien se débrouiller tout seul. Qui a un scaragrappin? Elle s'est parfaitement adaptée au climat sec qui règne ici. Même la flore a dû s'adapter pour survivre. Ces fruits, par exemple, leur coque épaisse conserve l'humidité. Mmh. Ok, ouais, c'est... Écoutez-moi, je capture un peu tout ce qui passe, là, parce que là... C'est pas moyen d'aller plus vite, je crois pas, hein. Est-ce qu'on peut, l'avoir comme ça? Oh. Oh non, ah ça par contre c'est pas bon. Attendez. Artisanat. Ah. Oh, quel soulagement! Nous y voilà enfin! Pouvons-nous faire une pause maintenant? Regardez! C'est là que nous attend ce que nous cherchons. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Oui. Bon, on continue. Bon, allez, mais on continue. Oui, des... Tout compte fait, la descente est peut-être pire que la montée. C'est...
Et ouais, tenir un truc comme ça pour la monter, enfin pour la descendre, c'est chaud. Hein. Vous avez entendu ça? Pas de panique, restons sur nos gardes. Tu veux bien aller voir ce que c'était? Oh, miséricorde! Une raciane! Nom d'un Jaggi! Une raciane! Nom d'un Jaggi! Vous savez tous ce que cela signifie. Dans ce genre de situation, il est... important de garder son calme. Et de prendre ses jambes à un coup. Allez, vite, il ne faut pas rester planté là. Allez-y. Tu devrais pouvoir faire du bruit avec ta fronde pour détourner son attention. Maintenant, fuyez. T'as entendu, t'es très bien entendu. Oui, allez. Ah oui, là. Là, faut foncer. Pouf. Bon, ça va. On s'est pas fait remarquer. Après, faut avouer que ça voit aussi loin de leur pif, ces trucs, mais... C'est pas le moment. Vraiment pas. Oh. Oh, je l'ai plumé le piaf. Pas vraiment ce que je voulais faire, mais... Vous ne pensez pas que le Zora Magdaros est encore plus énorme que ce que nous imaginions? Oui, sa taille dépasse indubitablement toutes les données qu'a pu consigner la guilde dans ses écrits. Je me demande combien d'années il faut à une telle créature pour atteindre une taille aussi imposante. Des traces de pas. Oh, regardez, des Apséros. Des herbivores originaires de la région. Mais pourquoi se mettent-ils à courir? Ils ont l'air apeurés. Vous voyez, lorsque les Apséros se sentent menacés, ils adoptent une posture défensive. Je ne sais pas ce qui rôde par ici, mais ça pourrait s'avérer dangereux pour nous aussi. Restons prudents. Enfin, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Hop. Regardez-moi ça! Magnifique! Il est tout bonnement énorme! Quel formidable spécimen! Quoi, il parle, c'est ça là, c'est le gros truc. Non. Ils vont vite là pour le coup. L'écofact est juste là. Beau travail, chasseur. Encore des écofacts. De la vieille boue, pas de la boue quoi. Voyons un peu quel genre de cadeau le Zora Magdaros nous a laissé. Ouais, ça d'accord, ok. Quoi d'enfant, il y a encore des empreintes au milieu? Sable mouvant, ah oui non, c'est un piège. Là, regardez, un autre vêtu. Vite, allez. La télé. Non,
Mais bien sûr. Alors ça, c'est... Honnêtement, c'est ceux qui arrivent à faire ça, c'est beau, mais... C'est chaud. Bon, bah, c'est parti. Un Barros. Comme j'appelle Barotte, mais... Non, pas de fusée de détresse. Wow. Ne t'inquiète pas, j'emmène les érudits à l'abri. Quoi, j'ai déjà pété un morceau? Mais toutes les fourmis qui s'en vont. Ça va être galère. Ah, ok, ça fait plus de dégâts déjà. Ouais. Non. Oh, mais. Je vois s'il se ramène sur la minimap et ça me fait vraiment pas plaisir. Honnêtement. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. J'ai l'impression par contre qu'avec ce style d'arme, c'est beaucoup plus long d'interrompre un combo. Alors, après, je sais pas, hein, de toute façon, c'est moi juste. Hein, encore, hein. Je sais, c'est que j'aime beaucoup en tout cas. Non! Qu'est-ce qu'il a fait? Oh merde! Ah non, ça ira. Pour le bien de mes boyaux, je pense que je vais pas l'attaquer de suite. Je le vois plus sur la carte. Donc c'est un Diablos, hein. Bon, mais c'est pas très beau à voir en général. C'est plus cool. Oh bordel. J'espère qu'il nous ait oublié déjà, même si. Donc moi, je crois pas trop. Eh merde. Guerre de territoire. Les monstres se battent entre eux. On ferait bien d'en profiter. Bah, attendez, je suis mort. Ça a dû faire mal. Ça a dû faire beaucoup trop mal. Non, moi je vais pas attaquer, laissez tomber, je vous le dis, le Diablos me met beaucoup trop de dégâts, donc... Finalement, le Diablos c'est pas pour l'instant, quoi. Non. Ça, cette attaque, je la prends, je meurs. Je peux pas vous dire. Oh, une kill. Mon panico se fait bolosser. Utilisez cette capsule avec ta frère. Attaque là où elle s'approche pour infliger des dégâts. Ok, je vais le laisser boiter ailleurs. Putain, j'ai deux vertèbres de Diablos. Oh, sorry OS. Sorry, tu en as tout ça. Mais faut que tu te barres d'ici, je peux pas te battre ici moi avec l'autre là. Je peux pas.
Mais il va le démonter jusqu'au bout, c'est lui qui va le tuer, vous allez voir. Ah. Donc je le prends. Ouais, salut. Mm-hmm. Merci du coup de main au passage, hein, mais bon là j'avoue que c'est pas la peine. Ouais, file-moi ces matériaux et je continue de le chasser. Et je m'arrêterai là, je pense. Parce que là, honnêtement, vous avez vu des mecs, mais laisse tomber quoi. Al Diablos, honnêtement, je savais même pas que c'était possible de le croiser encore à ce moment-là du jeu. Pour de vrai, hein, pas fake là, pour le coup. Et je vais essayer de monter dessus histoire de le faire tomber. Ouais, ok, d'accord, je crois. Ah, ben non, mais il se barre toutes les deux secondes. C'est quoi qui a explosé comme ça? Il a marché sur des noix? Ah. Oh là là, mais ça c'est stylé. Oh, tu vas où là? Non, bah ça je veux pas dire, mais tu fais des allers-retours là quand même depuis tout à l'heure. Reviens! Ici! Salaud! Sérieux, mais il va où là? Ouah, mais. Eh, il va pas retourner voir le Diablos quand même. Tu sois pas si débile que ça quand même, Barot. Bah, il est au-dessus. Bon. Je vais dire qu'il est pas trop débile. Que je suis. Je suis pas loin. Bon bah écoutez, merci le Diablos pour m'avoir aidé. Non, parce que là le Baros a pris le piège. Le coup du Diablos à 400 à peu près. C'est honnêtement il a fait le taf le notre là. Eh bien. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner. Pour l'instant je vais emmerder le Diablos là. Regardez-le. Pensez être bien. Mais non, moi je te tabasse. Ta-ta-ta-ta, allez. Ils peuvent plus nous tuer à partir de ce moment-là. Du coup, moi j'en profite et je m'en fous. Là, je serais mort. Presque. Mais bon. Là, en vrai, ça va. Du coup, je suis tranquille. Quoi. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous laisse la cinématique, parce que je pense qu'il y en a une, si je me rappelle bien. Et. Je vous retrouverai pour le prochain épisode. Oh, hey! Contente de te revoir. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un endroit où les érudits sont à l'abri. Je crois que je vais aller les chercher. On se retrouve au camp! Dis-moi. Tu fais partie de la 5e flotte. Ainsi, une nouvelle traversée a commencé. Les années passent si vite que je ne peux les compter. Je suis chasseur, moi aussi, de la première flotte. Accepterais-tu de me raconter ton histoire? Bah écoute, vas-y. Pourquoi pas? Dans ce cas, allons autre part. Allez. Pas trop loin, parce qu'elle va pas capter où je suis parti. Alors, mes vieux amis vont bien.
Tant mieux. Merci. Et il semble que les érudits soient toujours aussi incorrigibles. Permets-moi de te demander, traques-tu ce monstre qui a laissé choir cette roche volcanique ? Non, c'est faux. Moi aussi. En suivant sa piste, nous arriverons peut-être à découvrir la vérité. Bien, ce fut un plaisir. Mon camp se trouve non loin d'ici. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Toi et tes amis. Au fait, dis au commandant de ne pas s'inquiéter. Je vais bien. D'accord, je vais bien. Une force me pousse à aller de l'avant et je compte bien voir où elle me mènera. Si la même flamme te guide, nos chemins se croiseront de nouveau à la fin de tout ceci. Est-ce que c'était... un gars de la première. Bon. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, ça fera un bon épisode là. Ça doit faire quoi? Ça doit faire à peu près une demi-heure, un peu plus même je pense. Bah c'est bien, on aura découvert trois monstres, enfin non, deux monstres aujourd'hui. Eh ben. Finalement, c'était plutôt surprenant. Je m'attendais vraiment pas à voir le Diablos. Là, il m'a un peu pris de court, on va dire. Mais bon. On a vu quoi? Ah, mais non, on en a découvert trois en plus. Qu'est-ce que je dis? Ben oui, trois. La Razian, c'est la première fois qu'on la voit. Oui. Donc on a découvert trois, Razian, Barros et Diablos. Je suppose que c'est Diablos, ça son nom, ça je sais pas après. Bon j'avoue je dirais probablement très souvent Barot au lieu de Barros, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres images? Je pense que ça se trouve, vous verrez absolument rien là du coup, mais... Ah. Bon travail, les érudits ont pu accomplir leurs tâches et revenir sains et saufs. Merci à toi. Grâce aux efforts de la cinquième, des écofacts sont prélevés aux quatre coins du continent. Nos chercheurs pensent pouvoir très bientôt localiser les Zora Magdaros avec précision. Okay. En attendant, l'un d'entre eux a apparemment été séparé de son escorte. Je veux que la cinquième le retrouve et assure sa sécurité. Il a été perdu de vue par son escorte alors qu'il recueillait des indices dans le désert des termites. D'accord. Rends-toi immédiatement au désert des termites. Yep. Ok. Sur ce... A plus tout le monde!